Ce matin au réveil, c'est arrivé à Bruxelles. J'en crois pas mes oreilles, comment peut-on être si cruel? Des gens qui partaient travailler, d'autres s'apprêtaient à décoller. Mais leur voyage est achevé avant même d'avoir commencé. Quand on fait ça au nom de Dieu, on se demande ce qui reste au diable. Moi qui comptais mourir vieux, je vois que mon avenir est lamentable. Métro, boulot, hosto, est-ce là notre nouveau quotidien? Ça nous fait froid dans le dos quand on parle de ces assassins. Un sentiment déjà vu, j'étais Charlie, j'étais Paris. Combien d'autres vies anéanties pour que soit finie cette barbarie? Bruxelles, ma belle, si ta situation actuelle peut nous paraître irréelle, sache que l'espoir est immortel. Ça touche à nos petites vies dans nos canapes bien confortables, alors que si c'est dans d'autres pays, on peut zapper l'abominable. On en a marre d'être les acteurs de cette horreur qui prend de l'ampleur, de cette frayeur, de cette douleur qui amène tellement de rancœur. On l'entendait, mais on s'est dit que c'était peu probable qu'après la France, ce serait ici qu'ils commettraient l'impensable. Je suis sans doute un rêveur, je veux du bonheur, de la douceur, de la couleur et des valeurs, ou juste des hommes avec un cœur. Un sentiment déjà vu, j'étais Charlie, j'étais Paris. Combien d'autres vies anéanties pour que soit finie cette barbarie? Bruxelles, ma belle, si ta situation actuelle peut nous paraître irréelle, sache que l'espoir est immortel.